Bonsoir, bienvenue dans Haïti, ça cap cuit. C'est avec un pile plaisir de vous recevoir pour vous. Jeudi, personnalités qui passaient aux deux présentations. D'abord, nous allons parler politique, nous allons retourner encore sur 2018 et nous allons mettre 2019 là en perspective. C'est pour une émission qui a gagné des contradictions là-dedans dans la mesure où nous gagnons pour exceptionnellement jeudi à deux invités. D'abord, nous gagnons ensemble avec nous, sous bord droite, moins conseiller spécial président, et professeur Guichard Doré. Bonsoir. Bonsoir, Robinson. Bonsoir, docteur Chile Ludo. Donc, nous pensons que de nous bonne année, peut-être, c'est premier. Bonne année, bonne année. Santé, en pleine santé. Effectivement, pour l'année, et puis nous souhaitons que tout le monde passe bien. Merci beaucoup, parce que là, nous avons à droite, nous, docteur Chile Ludo, lycée porte-parole, secteur qui dit le démocratique et populaire là. Docteur Chile Ludo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Geoffroy. Nous saluons monsieur Doré, professeur Doré, avec un peu de respect. Et nous saluons tout le personnel radio, télévision, chaîne 20. Et nous pensons qu'il faut quand même respecter la civilité, même si nous ne passons pas bonne année 2018. Nous ne passons pas bonne année 2019 encore. Mais quand même, pour respecter la civilité, laissez-moi quand même présenter mes voeux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de chaîne 20. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons passer là pour nous passer un beau petit temps. Je suis capable de démarrer avec dialogue là, puisque c'est opposition, c'est pouvoir qui est ensemble avec nous. Donc, nous, d'abord, pour regarder des points qui étaient marqués 2018 là, avec opposition. Et bien entendu, le professeur Doré pour le gagner, pour lui capable de réagir. Et surtout, nous allons rentrer pour 2019 là avec différents objectifs présidents qui ont annoncé dans Gonaïve lorsqu'il a fait discours à l'occasion de 215 ans célébration acte et déclaration indépendance pays d'Haïti. Côté que le dit, c'est une année électorale, pas le gain élection. Et le dit tout, c'est une année, côté que nous prenons le pencher sous principe amendement constitution. C'est une année, li dit, il parle combattre la misère à travers le budget. Nous parlons de ça. Mais pour 2018, là, docteur Ludo, ça que tu m'as là-dedans? Bon, écoutez, c'était une année chaotique. Une année, il n'y avait pas eu aucune gouvernabilité. Une année de misère, de souffrance. Au année, ça qui était plus marqué, c'est l'aspect cynique du gouvernement en fin d'année qui massacrait près de 100 personnes à la Saline. Il y a une année qui était marquée par le mensonge d'État, massacre d'État, et des bagailles vraiment crapuleux. Et si n'importe qui citoyen t'avait honnête à tête, il n'y a pas gagné de sérieux en termes d'investissement, des œuvres vraiment valables, colossales, qui t'a qu'à inspirer, qui pourrait faire voir et qui pourrait faire renaître l'espoir à l'horizon. Si nous avons des gens qui saltaient ouais, en 2018, plus rien. Un gouvernement qui mentait comme il respirait. Un président qui t'a parlé des bagailles que le Paris avait atterri. Un président nommé inculpé qui n'a pas gagné le fait de sérieux. Et situation au peuple qui détériorait complètement. Inégalité qui était plus grande dans l'année 2018 là. Et nous te ouais, c'est un pays qui marchait tout droit vers le chaos, vers la violence, vers l'effondrement. Et un rien de positif pas été fait en 2018, tout le monde ouais. Et son pays qui marche lentement et presque sûrement vers le chaos. Et c'est à ça, gouvernement, ça, et président nommé inculpé, amène le pays. Professeur Doré, en qui est-ce capable de dire, président, à travers des programmes qu'il a lancés, notamment le caravane, l'idée aidé à améliorer les conditions de vie de la population? Le président arrivé qu'il y a des difficultés de joindre, et c'est pourquoi il a lancé toute stratégie sandré le caravane du changement, qui a commencé dans la Tibonite, nous avons eu quelques résultats. Et par la suite, il y a un peu élargi sous pays. Il y a un paquet de routes qui fait dans une série de zones. C'est vrai que si vous n'avez pas papa le garder les données, vous avez dit, à premier, vous n'avez pas rien. Mais si vous faites tout pays, il y a plusieurs personnes qui font tout pays. Je souhaite m'inviter, docteur Ludo, faire tout pays. Il parle aussi des zones qui ont des routes qui ont passé, des canaux d'irrigation, des maîtrises de l'eau qui ont fait, etc. Et ensuite, il y a un côté zone de production augmentée. Par exemple, dans la Tibonite, on a une production risicole qui est autour de 80 000 tonnes. Je dis à 120 000. Donc, au moins, il y a un progrès de 40 000 tonnes en plus. C'est vrai qu'on est loin de
consommation nationale là, qui est autour de 600 000 tonnes. Donc on est malgré tout. D'ailleurs, dans le dernier étude, on conseille de jour, je dis même la Timonite a tout en pleine capacité, on partit dans la production, on est obligé d'acheter quand même. Parce que la consommation nationale en riz, c'est presque riz premier. Et ça me donne les plats nationaux. Non? Donc, nous avons eu, il y a même gens, il y a 40 ans de ça. Donc, moi, je crois qu'il y a un paquet d'efforts qui fait. Mais c'est vrai que, je reconnais que, il y a un effort qui fait en termes d'investissement. Mais nous avons besoin de la paix dans le pays. Par exemple, Dr. Louis dit ça, la manifestation que tu as faite dans tout le temps dans le pays. Donc, tout le monde connaît que pas de ressources suffisantes à l'intérieur du pays pour mobiliser. Grande manifestation de fait que des entrepreneurs, des investisseurs qui t'ont venu pour dans le nord, ils ont obligé de retourner parce que des manifestations toute journée. On paye pas qu'à marcher chaque jour le gouvernement fait effort et les monde qui dit dans l'opposition, il a fait l'opposition à l'intérêt économique du pays. Le pays, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le dialogue. C'est pourquoi que le président laisse le dialogue. Peut-être qu'il y a des monde qui dans certaines incompréhensions de la réalité du pays. Donc dans le dialogue, on pense que ces gens-là peuvent avoir animé de bonne volonté. Peut-être que cadre toutes les informations que va gagner et soit le dialogue président lancé. C'est peut-être là pour éclaircir bagaille. Parce que nous, pas chaque jour, chaque semaine, il y a une manifestation. Pendant six derniers mois, là, au pays a perdu presque 400 millions de dollars. Non, manifestation toute journée, l'entrepreneur a besoin de fonds de travail, l'entreprise est bloquée, ou bien il a crasé, brisé. Nous, pas qu'à faire ça. On a fait ça 86 ans, puisque ça a donné, on a sacrifié déjà une génération. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les hôtels ne pas qu'à fonctionner, vie nocturne ne pas fonctionner parce qu'il y a une manifestation. Et les manifestations sont faites avec violence. Alors moi-même, je suis pour que les gens puissent manifester, donc, mais manifester dans la paix. Donc, si vous comprenez bien, professeur Doré, on peut expliquer, si il y a des résultats et pouvoir pas de bail en 2018, c'est à cause de l'opposition qui a fait manifestation, c'est à cause de l'instabilité politique. La zone métropolitaine, il y a un peu de passer à ça. Alors que dans les villes, les provinces, il y a un paquet de travail en fait. Mais dans la zone métropolitaine, pour qui ça? Dans la zone métropolitaine, ça y a une bonne partie de la population. Et là, plus activité tertiaire. Le fait que tout le temps, il y a une manifestation, hôtel va fonctionner, etc. Par exemple, il y a un hôtel, il y a un petit roche sur eux, ou il y a un touriste qui va venir. Donc, vous créez une certaine peur. Donc, une opposition doit être une opposition qui travaille pour la prise du pouvoir. Ce n'est pas la destruction, parce que ce n'est pas par la destruction qu'on va résoudre le problème d'Haïti. Des matins, je dis à nos pouvoirs, et M. Trump ou des partis de gouvernement. Parce que vous, on peut toujours critiquer le gouvernement, mais si vous êtes des partis de gouvernement, pas des partis contestataires, vous pensez que des matins, après vous, dans la responsabilité, il n'y a pas qu'on va faire. Donc, c'est pour nous faire ça même, ça fonctionne dans toutes les démocraties. Il y a une opposition qui fonctionne, mais une opposition qui pense que des matins, qui a dans le pouvoir par les moyens démocratiques. Et deuxième matin, moi-même, des matins, qui a dans l'opposition. Pour moi, quelqu'un d'entendre de l'opposition, je ne vais pas briser. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas transformer le pays en détruisant tout ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait depuis quelques temps, chaque bon nous fait pendant 10 ans et puis nous crasions, non, non. En quelque sorte, professeur Doué, et je m'adresse au docteur Chiléon Rido. Si vous comprenez bien, avec des mouvements que vous avez fait là, si je m'attends des explications et professeur Doué, c'est on balle opposition à baïtette dans le pied parce que l'opposition dans la population li a appelé WCV à prendre pouvoir lorsque li a miné terrain comme ça, c'est à propre destruction par et pays. Si vous comprenez bien ça, professeur Doré, expliquez. J'ai beaucoup de respect pour mon ami Doré, il le connaît. C'est un intellectuel chevronné. Mais là, il s'y perd. Il s'y perd complètement. Est-ce que c'est l'opposition qui t'a dit président nommé inculpé hein? T'es dit peuple là la met assiette et manger dans assiette li l'argent dans poche li. Est-ce que c'est opposition qui dit président nommé inculpé prend 11 millions de gouttes chaque et vendredi pour la flâner? Est-ce que c'est opposition qui fait 11 millions de gouttes côté 11 millions de gouttes ça? Un député responsable de la commission des finances eut à dire que président nommé inculpé débloquait 11 millions de gouttes chaque vendredi pour la dire la visiter projet. Non. Et la présidence n'a jamais démenti. C'est le député Aodon qui l'avait dit. Deuxièmement, est-ce que c'est opposition qui fait que le budget a été venu, on l'avait qualifié de budget criminel, on dit le patapotan rien, et tout pour nous, les économies chevronnées de la place avaient dit que ce budget est un budget criminel, il n'est pas de bon, il a appliqué, il n'y a pas de résultat. La caravane, quel résultat? Aucun résultat. Là, tout le monde a regardé le niveau de vie. Est-ce que c'est l'opposition qui fait qu'on a un taux d'inflation qui frôle les 14 et 16%? Est-ce que c'est l'opposition qui fait que nous gagnons un déficit budgétaire de 26 milliards de gouttes?
Du tout pas. Est-ce que c'est l'opposition qui fait que n'a perdu dans Douanio 29 milliards de gouttes chaque année et que le pouvoir ne peut pas rentrer cette somme dans les caisses de l'État? Est-ce que c'est l'opposition qui a accordé franchise douanière à près de 20 milliards de gouttes à des moun kap vann bagay très cher dans le pays? Écoutez, c'est un non-sens. Il faut dire la vérité. On est en face d'un pouvoir incapable, d'un président nommé inculpé, incompétent, qui n'a pas la couille nécessaire, qui n'a pas les capacités adéquates. Heureusement, il y a des nègres à côté, là, comme je dois dire, attendez, pas voulez vous effleur, mais c'est des nègres qui très bien formés. Mais malheureusement, nèg qui n'a pas de capacité pour mener le pays à bon port. Tout ça, dit là-haut, docteur Ludo, il a été aux élections, il est son président qui est élu. Donc, quitte li pas gagné capacité, je vais expliquer là, quitte li incompétent, soit avec li gon mandat. Un, il n'est pas élu. Je vais le redire. Tout le monde connaît dans les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu. Tout le monde connaît les contestations qui s'en suivaient après les résultats des élections. Et yo mette monsieur là. Tout le monde connaît qu'il a été nommé par une oligarchie qui te mette monsieur là pour te venir rendre yo service. Et nous, la suite. Nous, le chef Abdallah, contrat hélicoptère, 9 milliards $8 millions. Nous, ça a été fait l'autre jour. Kébé hélicoptère Lakali. Nous, le contrat 800 millions de gouttes. Thomas Second. Mais l'hélicoptère, ça est vrai, professeur Doué. Commandant du président, il a besoin d'hélicoptère pour le déplacer. Il a demandé, j'en suis dit à la chef Abdallah qui lui l'hélicoptère. Et chef Abdallah a dit, Bill Latro, on va pas le faire ça. Il a dit, ça va se battre ici. Voilà. Monsieur Théry, c'est le cas au courant? Peut-être, oui. Ok. Voilà. Continue. Écoutez, ce n'est pas nous qui fait que garder ça qui a passé, même chez Chérif Abdallah. C'est lui qui a raté gaz qui est dans le pays. Hein? Le professeur Doré est un homme honnête. Je suis sûr qu'il va l'expliquer. C'est Novum qui importe gaz qu'on y a. Il y a un film qui, c'est Chérif Abdallah, c'est Martine Moïse et l'autre troisième monde qui sont Dominicains Cladal. Et moi, je vais information ça. Chaque importation gaz, Chérif Abdallah fait 3 millions de dollars que le séparer 50-50 avec Jovenel Moïse. Un principe pour Jovenel, un principe pour lui. C'est ça, raté gaz là. C'est ça, crise d'eau là. Côté toute l'argent, ça y a, chaque gaz à entrer, il faut que vous changez l'argent, jouez un dollar pour vous payer. Voilà, docteur, voilà le problème. Docteur, c'est facile, puisqu'on est en opposition, c'est facile pour dire, pour avoir des chiffres, ça, comme ça, c'est facile pour payer aux hommes de dollars et tizoum et pouvoir. Mais on monde a gardé la capacité. Mais contre vous, je ne vais pas faire ça. Voilà, que le pouvoir vienne, et je suis en face du conseiller du président, qu'il me dise que c'est fort. Qu'ils me disent qu'il n'y a pas un film qui s'appelle Novum et c'est lui qui importe le gaz qu'on y a. Et moi, le bon information. Il y a une discussion qui fait dans le sillage président, nommé inculpé, qui dit non en nationaliser question. Et c'est la raison pour laquelle Chérif Abdallah, t'es qu'un hélicoptère. Il dit, monsieur, sous pour nationaliser le gaz là, ou à craser le film, non, je vais bon hélicoptère. Et m'a coupé toute source comme débat. Voilà le problème. Il faut que la nation sache ce qui se passe. Professeur Doré, il y a des mains économiques qui sont aussi puissantes, beaucoup de présidents, qui, comme Kamdadjo, a pu utiliser le président Jean, Dr. Ludo, avec ce qui est ça là. Bon, je vais écouter une information, sauf que le président de la République n'a pas d'amis. Hein? Le président de la République doit être au-dessus de la mêlée. Donc, M. Ludo a toujours des informations, il fabrique ou bien il m'a donné, mais même pas au contraire, ça l'a dit là. Donc, en tout cas, moi, je crois que il y a des institutions dans le pays qui occupent de, ça me donne des importations de produits pétroliers, c'est Ben Bad qui occupait de ça. Donc, ces journalistes, yo, quand aller vérifier, je ne vais pas l'entrer dans ça parce que je ne vais pas gérer le dossier comme ça. Donc, ça me garde, c'est que ça a étonné que pour information, Dr. Lijo Abayo, tu as vérifié. Hein, parce que moi, je crois que gagner chaque monde, parce que le président de la République n'a pas géré les cargaisons de pétrole dans le pays. Donc, ce qu'il a fait, c'est peut-être constitution fixée mandat déjà, y compris les lois de la République. Donc, tout ça, là, c'est peut-être. Moi, je crois que ça qui est important, l'homme dans l'opposition, bat pour l'opposition. Et ce qui a fait alternance au pouvoir. Elle a dit pour nos partis de gouvernement. Quand nos partis de gouvernement, on a discuté sur des dossiers. Et parce que le jeu politique, c'est toujours un jeu de débat. C'est bon, combat lié, c'est un jeu de débat. Elle a dit qu'on a des idées. C'est vrai qu'il faut faire des propositions. Et moi, j'ai des propositions. Puisque aujourd'hui, on peut, dans les situations que nous avons gérées, des matins, on a venu, puisque l'alternance est sale. Il faut des matins, battre de l'opposition. Mais il faut toujours faire en sorte que dans nos prises de parole, dans nos comportements et dans nos actions, que l'intérêt d'Haïti est préservé. L'intérêt d'Haïti aujourd'hui, c'est que le pays a un paquet de jeunes qui ont besoin de travail.
Et nous reconnaître que au niveau national, l'épargne nationale n'est pas suffisante. Même d'abord mobiliser toutes les ressources qu'on a dans les institutions financières d'Haïti, n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on crée des conditions acceptables et minimales pour que les gens qui ont un petit coup dans le pays toujours investir dans le pays, y compris les gens de la diaspora pour venir, y compris les gens de l'étranger, des investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays. Mais pour ça, il faut que la paix. C'est pas nous avons 6 mois là chaque jour, je ne crois qu'on a une semaine de manifestation. Donc, le pays n'a pas fonctionné comme ça. Donc, et deuxièmement, ou qu'on est médecin, ça a un impact sur la santé des gens. Il y a des gens qui font crise cardiaque, tension, etc. Donc, au moins, permettre la génération aujourd'hui pour ne pas vivre un cauchemar que les gens 86 depuis 86 n'ont fonctionné pas. Donc, une rupture. De cette rupture-là, demander pour une opposition responsable. 2019, là, sont des rendez-vous pour ne pas rater, pour faire autre chose. Parce que son année électorale, puisque son année électorale, il faut qu'on ait des propositions. Mais je vais expliquer ça, moi. Oui. Gouvernement, président, je te dis, Yopral, rationaliser train de vie, pouvoir, gouvernement, qui donc y'a pas dépenser moins. Comment expliquer pour l'année 2018 là, nous arriver à atteindre un déficit budgétaire, et déficit budgétaire ça pas aller dans l'investissement, il y a aller dans le fonctionnement de près de 25 milliards de gouttes? Non, écoutez, attendez, déficit à gagner dit des choses, déficit pas dit c'est plus dépense, non, en fait, attention, hein. Déficit à gagner dit qu'on manque à gagner, et parce qu'il y a des prévisions qui étaient faites, l'État n'est pas rentré. Puisque si nous dit que pour chaque mois. Non, mais tout juillet, mois d'août, les poutes gagnent, les gens qui apprennent à entrer dans l'hôtel, etc. Puis l'hôtel n'a pas fonctionné très bien. Les gens sont dans une incapacité pour payer un impôt. Deuxièmement, le mois d'octobre, là, on paquet de manifestations, c'est peut-être une période pour l'État rentrer comme pas. Donc c'est normal. Moi, je pense que c'est un manque à gagner. Et non, comme l'État est supposé fonctionner, il faut plus gagner pour continuer à payer la police. Il faut qu'on continue à payer les fonctionnaires et puis gagner des bagages incompressibles obligés de faire. Donc moi, je crois que c'est pour, en termes de création, c'est un manque à gagner. Peut-être qu'en partie par recette qui peut entrer aussi inférieure par rapport à la dépense qui vous faites. Mais si toute recette, fait du badap quoi là qui problème et donc quoi tout on n'a pas gagné déficit budgétaire j'en parle là bon moi même manque à gagner veut dire que manque là là que monde capable comprendre. Ah mais oui nous souhaiter ça vous avez dit oui nous souhaiter ça donc selon même pas gagné déficit budgétaire déficit budgétaire oui déficit budgétaire d'en parler à la fin de l'année on verra à la fin de l'année on verra à la fin de l'année on verra année fiscale là qui est dans mon budget fini c'est dans le budget fini oui dans budget fini mais dans son nouveau budget écoutez dans exercice fini en bablé nous donnons depuis juillet comment c'est un problème. Déficit budgétaire à procès doré, il fait dans l'exercice 2017-2018. Là, nous sommes en 2018-2019. Non, mais l'État n'a pas rentré toutes les 7 jours. Okay. Est-ce que vous pensez que, je sais que l'État n'a pas rentré toutes les 7 jours, il fait, puisque il y a des manifestations partout, ou pensez que priorité pour votre policier, pour votre professeur d'école, parce que nous n'a toujours pas rentré ça. N'a toujours été en 2000, ou qu'on relance? Oui, oui. Oui, 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 s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Geoffroy, non seulement déficit budgétaire, il n'est pas atteint tout le monde, même pour avoir une information supplémentaire sur le déficit budgétaire. Dans 2 mois, M. Lafontaine a liquidé les affaires courantes. Le déficit budgétaire atteint 15 milliards de gouttes pendant 2 mois. C'est-à-dire que l'on n'a pas la population, il faut nous parler des chiffres et des exemples. Et d'ailleurs, je sais avec qui je parle, un journaliste chevronné qui a un dossier. Pendant les 2 mois, pendant M. Lafontaine a liquidé les affaires courantes, il y a un déficit budgétaire qui fait de 15 milliards de gouttes, qui vient mettre à 26 milliards de gouttes de déficit de guerre. Deuxièmement, m'a dit M. Doré, mon frère, d'accord, l'on fait manifestation, il y a des gens qui ont une crise cardiaque, qui ont mouru. Et qui s'en fait, l'on garde au point tout ton peuple, ou gagne un petit grain hot dog qui a 20 gouttes, on s'est duré 1250 gouttes, ou gagne un peuple qui n'a pas à manger, pas qu'à boire, ou gagne un monde qui vit con et bête dans le quartier populaire. Sauf fait d'un salaire minimum que nous pas payer mon yo quantité que nous devons payer yo. Sauf fait, et monsieur Doré, je vous avais entendu lorsqu'il y avait ce problème de dédollarisation où t'as défendu où t'as dit il faut le faire. Il portait toute sale portait son lot de chagrin, gouvernement retiré. Mais monsieur Doré, ce sont les conséquences de tout agissement sa yo, qui mène misère sa yo, qui mène souffrance. Mon frère, mon ami, m'ta remon dim,
qui côté ou est payé en gon bagay qu'a fait qui inspire confiance, qui côté gon investissement qui fait croire, qui fait voir aux jeunes de ce pays yo carité, yo pas besoin al Chili, yo pas besoin al Brésil. Non, un cortège de 30 machines, président gagoté l'argent, l'a dépensé là pour président nommé inculpé al gon naïf. C'est près de 300 millions de gouttes qui dépensaient, oui. Chaque côté pour président aller faut le payer pour l'aller. C'est-à-dire que il pas gain légitimité. Il part à cal au cap Vertia nous te dit non il connaît le bataka aller pour l'algona il vit payer et chaque côté le pour aller le voir payer et année 2019 là même pour le sortir là la caille pour l'aller dans parler nous pour le faire payer parce que nous pas veulent dans pays faut aller dans pays il y a des côtés que des haïtiens pas cal Jovenel Moïse un haïtien un haïtien ou connaît mais docteur Ludo son haïtien oui yo dit haïtien mais rien qu'à regarder ses agissements, on est cap trahir un pays comme ça. On est cap vendre un pays à un petit groupe monde. On est qui pas aucune capacité et qui usurpe peut-être l'État et qui a fait tout ça. Peut-on dire que c'est un haïtien authentique? Non, c'est pas un haïtien authentique. Moi, je suis clair que Jovenel Moïse, dans les jours qui viennent, et nous clair, et nous parvenons sous lui, nous connaît que la solution de la crise passe inéluctablement par la démission de Jovenel Moïse. Quel est le bagage, docteur Ludo, là, qui a adressé directement à vous-même? Vous voulez faire une relance? Bon, il parlait de gaspillage, à ma connaissance, bah ouais, sauf que je dis que non, on manque à gagner. Et l'État, ce n'est pas pour sa raison qu'il a diminué le budget en termes de valeur. Nominal le budget que vous déposez dans le Parlement, parce que le deuxième budget a en plus recette qui n'est pas au rendez-vous. Or, puisque les recettes n'est pas au rendez-vous, non, même vous avez des prévisions qui sont faites, normalement, c'est pour des dépenses essentielles du fonctionnement de l'administration, vous êtes obligé de faire. Donc, docteur Lidon, moi-même, ça m'a dit, c'est que faut qu'on comprenne que le pays a besoin de la stabilité. Ce n'est pas chaque jour bloqué, rasé, mandé par le président. Il fut un temps où tu es contre pour le départ du président Aristide. Pour qu'est-ce qui était bon pour le président Aristide devient mauvais pour le président Jovenel Moïse. Bah, comprends. On doit être cohérent dans le discours, on doit être cohérent dans l'action. Moi, ça me garde, c'est que le président a un mandat qui termine en 2022. Il reste. Bon, maintenant, il y a tout un travail à faire pour chercher la convivialité entre les différentes sensibilités du pays. C'est ce qui se fait depuis quelques temps. Il y a des équipes qu'on a rencontrées, des gens, et que ce soit de l'opposition, de la société civile. Parce qu'il y a un problème du pays, c'est un problème de développement économique. Discours, et docteur Lido a fini faire là. Si tu as une richesse dans le pays suffisamment pour tout le monde, pas ça que tu as fini faire. Donc, le travail pour nous faire, c'est que pour nous créer la stabilité. Moi, je dis, quand on a fait un café, c'est une vraie. Et mettre la paix dans le pays. Tout le monde est difficile. Faire développement, ce n'est pas des matins, pas développer le pays. Mais pour développer le pays, il faut que la paix, il faut que la stabilité. Parce que si nous avons la conquête des investisseurs, des entrepreneurs, que ce soit nationaux, ou bien de la diaspora, ou bien internationaux, il faut dire que vous venez en Haïti, vous voyez que pas gagné tout le temps, il y a des autres. Chaque temps, il y a parlé des pays, c'est des autres. Ou bien nos jeunes gens qui ont intérêt dans la misère du pays, c'est lui qui a parlé pour le pays. Moi, je veux que des matins pour nos grands pays, côté que grande opposition qui connaît des matins après 5 ans, ils arrivent au pouvoir et elle se prépare pour l'exercice du pouvoir. Qu'on finit avec la destruction de ce qu'on a et qu'on va arriver à ce qu'on souhaiterait pour le pays. Deux questions pour finir avec le segment 2018 là pour nous traverser dans 2019. D'abord, à vous-même, professeur Doré. Bon, nous, trois bagailles. En 2018, pouvoir a été fait et que tout le monde est capable de well, tout le monde est capable de dire que c'est trois bons bagailles qui ont été faites. Déjà, moi, je vais dire que vous avez bagage Marion. Parce que Marion, on va connaître ça. Gros bagage qui a fait pour maîtrise de l'eau dans le Nord-Est. Et donc, bon, c'est ce bagage qui font d'abord. La fête ou bien le fin de fête? Il n'est pas fini, non. Mon bagage a pris du temps. Mais okay. C'est déjà, si nous dérivons dans un nouveau pays, nous dérivons faire ça. Et depuis, au moins, sous chaque président, nous faisons un grand bagage comme ça pour maîtriser l'eau qui parle dans la mer. Moi, c'est un bagage qui est important. Très, très important. Ok, déjà. Maintenant, gagner tout travail qu'a fait dans le Sud. Soit aller dans le Sud, vous voyez, gagner fort qu'a fait. C'est vrai que les ressources ne sont pas suffisantes. Il y a des routes qu'a fait, etc. Moi, dans le Sud, allez faire une enquête. Et hier, le président a dit que gagner un côté dans la zone dans le Sud-là, si ce n'est pas de caravane, tout le monde sera très content de gagner fort qu'a fait. Et ensuite, tout effort que le gouvernement a fait pour améliorer l'image pays, vous avez des responsables, on ne doit pas être d'accord avec eux. Mais gagner fort qu'a fait. Quoi que ça? Ou gagner un effort qu'a fait en termes de maîtrise des dossiers. Moi, je crois que le président, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a des dossiers
internationaux que vous voulez gérer, je pense que c'est fondamental. Le rapport qui est entre Taïwan, etc., les pressions qu'a fait, moi, je crois que ça, c'est un bail fondamental. C'est vrai que jusqu'à présent, Haïti a essayé de sortir jeune capable. Nous avons arrivé dans un niveau qui est parce que nous sommes un grand pays, et nous pas dans un niveau d'un pays comme les États-Unis ou bien le Canada ou bien la France, mais Haïti a fait qu'il faut. Et puis, effort, tout effort qui fait quelques temps pour nous, bon, c'est ça fondamental sur le plan politique. Le président a bah, le premier ministre et provision pour, lui, pour lancer un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale. Moi, je crois que c'est fondamental. Donc, on ne va pas l'entrer dans l'équipe politique, chaque jour, il y a une activité qu'a faite dans l'administration. Ok. Docteur Ludo, en 2018, non, je pose la question, peut-être qu'on va réagir après. Oui, oui. En 2018, la population était opposition, même jusqu'à aujourd'hui, il y avait une opposition, bon, depuis un bon petit temps. Comme il y a une sorte de groupe monde qui l'a, les élections ont fait plusieurs zéros avant, si je n'ai pas un véritable chiffre comme pourcentage, et qui l'a qu'avec couteau, fouchette, bavette, capitaine au pouvoir, puis après la transition, puis capable de faire ça qu'on a habitué à faire dans la transition. Donc, il n'y a pas fait une confiance. Non, j'ai une population nous pas crédible. Est-ce que nous concédons ça au sein de l'opposition? Par contre, si tu as permis, moi, Fonti ajoute son barrage. Le professeur Dorit a dit tout à l'heure. Le barrage Marion, c'est Marion. 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 Oui. C'est un barrage privé. Écoutez, il faut aider la population à voir clair. Jovenel Moïse a acheté toute terre qui gagnait dans le département nord-est là. J'ai foi, je vous invite, mon frère, à mener une enquête. Ça veut dire que c'est sous terre. Il faut mieux reconnaître que non, qui t'aime fini, C'est sous terre, président. C'est sous terre, président, barrage la fête. Je suis du Nord. Ce n'est que dans Domier. Ça m'a dit là. C'est papa et moi. Mais moi, je me dis que c'est barrage qui t'a fait. Non, attendez, mais pas, pas important, pas qu'à dire un bagage personnel qui est important. Sous quoi ça, bah, j'ai fait vrai. Non, oui, il commençait. Mais son bagage. Mais c'est fini, ça, mon bagage. Je vais vous donner une information supplémentaire sur le barrage. La BID t'a financé le projet que t'as fait dans le barrage là, sous un élevage poule œufs à hauteur de 12 millions de dollars. Jovenel Moïse voulait accaparer projet pour lui, en son nom personnel, en son nom propre, la Bible pas financé encore. Et c'est pour ça, monsieur, qui a fait barrage là. Et monsieur pensait, une fois qu'il quitte le pouvoir, il pourra faire culture, pour le bail banane encore. Point, nous connaissons monsieur malade en bail banane, qui définitivement pourri totalement. Et monsieur fait barrage à l'argent haïtien, l'argent pays, sous tel, et côté le pour le faire fait pas. Pas de question barrage. Son bagage personnel que monsieur a utilisé l'agent de l'État. Qu'on y a, maintenant, je vais répondre à la question. Écoutez, nous de l'opposition, nous clair que, et je vais reprendre la fameuse phrase, la solution de la crise passe par le départ de Jovenel Moïse. Mais ce n'est pas une affaire de hauteur pour que je m'y mette. Rien qu'à regarder la proposition de sortie de crise que nous avions formulée. Nous dit un, la Cour de cassation, on n'a aucun problème, alors que tout le monde connaît ça qui gagne en giron de la Cour de cassation. Nous dit deux, nous pas fait partie, c'est pas nous qui pral diriger. Nous dit parce que à travers la conférence nationale, nous pral essayer de mettre toute institution au campé, des institutions qui sont délabrées totalement, qui n'existent plus. Voilà ce qu'on dit. Et on ne dit pas un amendement de la Constitution, une autre Constitution. Qui dernière fois nous déjà une solution dans le pays qui te permet de nous rallonger, sauf qui te permet que nous avancer sur quelconque développement par la démission de quelques présidents. Pour qui ça, nous n'avons jamais une solution. Il y a deux raisons. La première, c'est que... Et c'est pas vous, il n'y a pas vous, président, non? Vous, en pile aller. Voilà, mais il y a deux bagailles qui sont importantes. Dans le premier temps, on prend par exemple les coups d'État qui ont été perpétrés à l'encontre du président Aristide. Ce n'est pas national qui te fait. Il a servi de national là, par exemple, je vais reprendre l'affaire de 2004, c'était pour empêcher au pays de commémorer son bicentenaire d'indépendance, pour ne pas faire voir au peuple africain que mon pays a commémoré son bicentenaire d'indépendance. Ils ont utilisé des apatrides dans ce pays et ils ont fait coup d'État. Et Blanc prend contrôle tout le bagage. Ce qui est différent maintenant, nous dit, et regardez ce qu'a fait M. Giffard, chaque fois qu'on élection, pour qui ça le n'a fait élection, et M. Doré en est conscient, quitte le parler d'élections là, pour ça l'a dit. Il faut qu'il ait des élections honnêtes, crédibles, transparentes. On ne peut pas mettre tout adjectif ça. C'est parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas faire élection. Le problème, c'est ça. C'est parce que nous toujours fait coquin. Nous toujours à faire coquin pour nous tirer de la bonne côté. Nous. Mais aujourd'hui, nous. Hein, ah non, écoutez. Élection 2 millions. Écoutez, nous sommes des bagailles qui font.
Dans ça nous arrivé là, pas aucun monde qui pour frapper l'estomac li. Nous de la Valas, nous avions commis des erreurs. Ah oui, c'est vrai. Pas un monde qui pour venir frapper l'estomac li là. C'est information à baïmoun là. Non, voilà, et là je ne vous donne pas une information. C'est-à-dire que pas un monde qui frapper l'estomac, mais le problème, l'on prend au pouvoir ou dit que je vais changer les choses. Ou dit tout bagaille mal marché, ou dit peuple a pas qu'à manger, ou dit peuple a pas qu'à boire, et qu'on prend pour tes changements, on attend ce changement. Mais est-ce que au niveau de l'opposition, nous conscients tout de manque de perception de gens population, ouais, nous, de manque de crédibilité de gens population? On pas fin d'accord à 100% pour une raison claire. Expliquez. Écoutez, en pile manifestation faite, c'est une marée humaine qui s'est déferlée à travers les rues. Et ça, sous l'appel de l'opposition. Deux manifestations de déferlement ont été greffées sur le dossier Petro-Caribé. Non, mais écoutez. 17 octobre avec 18 écoutez, novembre. Écoutez, qui te gagne plus de monde, c'est vrai. 17 octobre, tu beaucoup plus de monde. Voilà, que mais 18. Tous les deux, tu es greffé sur le mouvement Petro-Caribé. Mais écoutez. Et après ça, dans les CFR. Il fallait voir. Après ça, dans les CFR, manifestation sans Petro-Caribé Challenger ou sans mouvement ça. Non. Écoutez, c'est la différence. Qui sont les Petro-Challenger? Qui moun ki initié question et Petro-Caribé qui fait le cas privé là et un salut spécial à nos frères qui a fait grève qu'on y a dans paquet dans palais de justice pour question Petro-Caribé? C'est nous qui l'avions fait. C'est maître André Michel qui l'avait fait. C'est le secteur démocratique qui l'a initié. C'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait une différence entre Petro-Challenger et non pas c'est pas vrai. C'est nous qui l'avions fait et c'est nous qui avons mené bataille là. Pas une différence dans la question ça. Et pour qui ça, avant août 2018, nous n'avons pas été capable de mobiliser les gens? Non, mais. C'est après mouvement, une mobilisation qui fait, une mobilisation qui fait autour de ça. Écoutez, mon frère, il faut qu'il y ait toujours un déclic. Ah, ok. C'est normal. C'est politique qui a fait. Par exemple, ou pour aller manifestation qui pourra le faire, il y a un mois de janvier là. Ou pour aller, il y aura plus de monde encore. À partir de misère qui gagne, à partir de peuple qui commence à comprendre que Jovenel Moïse, c'est la gangrène, c'est le mal absolu, c'est le cancer, ou pral wè gen plus moun. C'est normal. Et moun yo qu'on y a qu'à faire grève pour yo arrêter Michel Matéli, Laurent Lamotte, dans la question Petro-Caribé, ou pral wè population pral plus sensibilisé à ça. Okay. Nous prenons qui ça qui divise nous. Nous connaissons qui ça qui divise nous. PHTK, Lavalas, nous connaissons qui ça qui divise nous. Principal ça qui divise nous, hein, c'est la conquête du pouvoir. Non. Mais maintenant, ce qui ça nous met d'accord pour le pays. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ça qui divise nous. Ou pas d'accord sur le fait qu'on pas d'accord avec PHTK? Non, pas d'accord. Avec samedi? Oui, ça dire. Ça qui divise nous à PHTK, c'est parce que PHTK n'a pas un lien qui est pays là-dedans. Du tout. Et je vais illustrer ce que je vais dire, ce que je viens de dire. Écoutez, nous, là-bas, la santé pour un pouvoir, en 2001-2004, il n'y avait pas de Petro-Caribé. Il n'y avait pas d'aide externe. Il n'y avait pas de CIRH. C'est nous qui avions construit plus d'écoles, plus de centres de santé. L'autre hôpital, c'est nous qui faisons. Tout ça qui est dans le pays en termes d'infrastructures, c'est là-bas, là, ce qui fait. Lui. Écoutez, et tout à l'heure, vous venez de le voir. Vous avez demandé à mon ami Doré, ben, trois réalisations. Il s'est fouvoyé. Il s'est erré. Il est dans les nuages. Il dit barrage Marion, au cas il y a des bagailles sérieux qu'a fait, diplomatie. Je ne sais pas qu'a dit, mais université, là, mais l'hôpital là. Mais c'est ça pour M. Dim, mais université, mais l'hôpital. Un second, docteur Ludo. Qui s'est divisé avec l'opposition? Bon, moi-même, pense que faut que vous ayez l'intérêt du pays. Vous avez le pouvoir? Bon, le pouvoir est toujours passager. Je ne sais pas quoi c'est ça. Le pouvoir de maintenir le pouvoir, après c'est lui-même. D'ailleurs, il est là déjà. Il a passé plus de 20 ans, sa famille politique, à gérer le pays déjà. Donc, on a vu ce que ça a donné. Voilà, des écoles, des hôpitaux. Et sous l'administration qui s'est passée là-haut, il y a plus d'écoles qui sont construites. Et soit garder dans chaque côté, au moins pour l'école fondamentale. C'est des sections communales qui battent l'école, ils construisent, des lycées qui construisent, et garder tout le travail qui fait avec BNPAD, y compris FAES, on paquet de l'école qui construit. Soit sous City ou après. Bah, il est là, ou après. Ouais, c'est pas où tu fais. Regardez, on prend une date, on paquet toute date qui fait. Donc, ça me garde tout. L'hôpital, tout. Il y a des plusieurs centres de santé qui font, plusieurs hôpitaux qui font. Au contraire, aujourd'hui, ce qu'on a dit, il y a beaucoup d'hôpitaux dans le pays, sauf que, en plus, là, ils n'ont pas fonctionné, il y a un problème de fonctionnement, de financement des hôpitaux. C'est pourquoi que, il y a une réflexion qui a fait pour comment, qu'il y a une assurance.
pour voir comment qu'elle a fonctionné. Parce que l'État a lui-même seul, vous connaissez ça mieux que moi, et vous aimez son yeux, pas qu'à faire l'hôpital fonctionner. Il faut gagner l'hôpital fin construit, qu'à avoir assistance publique, mais il faut qu'il gagne un système d'assurance, la mutualisation et des risques, des accidents de la vie, maladies, etc., des maladies de longue durée, il faut des îles qu'à financer. Mais là, en termes de infrastructure hospitalière, ce n'est pas manqué que manqué. C'est vrai qu'il y a besoin de plus faire fonctionner, mais gagner au moins dans le pays. Mais maintenant, il faut que nous fonctionnions, pour fonctionner pour médecins, pour fonctionner pour l'équipement là-dedans, il faut que nous gagnions l'autre source de financement pour faire aller de l'avant. Mais même ça me garde, c'est que, un, différence, c'est que dans l'opposition, il y a un mode d'opposition que nous-mêmes, l'opposition, ne va pas faire à pays. Il y a fait opposition à l'intérêt national. Ah, c'est très grave, ce n'est pas en opposition avec le pouvoir, mais c'est à l'intérêt national. L'intérêt national, c'est que l'opposition, il y a plusieurs moyens qui ont fait l'opposition. Manifestation, c'est un droit démocratique, au contraire, on doit le protéger. Mais ce n'est pas chaque semaine. Sous même bagage, la case est brisée et puis des violences. Et les mots qui fait peur. Donc ça, on pense que en opposition démocratique, ce n'est pas ça pour gagner comme vocabulaire. Déjà, un, sur le plan de langage. Deuxième, sur la tactique, nous gagnons opposition, nous différents, différemment. Ouais, que le président matériel, le PHC qui a fait manifestation, moi j'aimerais être bien, la case est brisée. Non, moi j'aimerais pas comme ça. Du tout pas. Au contraire. Et troisièmement, dans les discours. Un discours responsable face aux institutions. Il faut que les institutions puissent faire travail. Les institutions, le Parlement, la justice, etc. Aucune pression ne peut pas exercer sur les institutions. Troisièmement, le respect des élus. Le mandat des élus. Où est que la proposition et Chile fait avec le groupe, d'où c'est la fin du Parlement, le tout bagage. Donc c'est le chaos. Et puis, même pour avoir pouvoir 36 mois. C'est comme si dans l'histoire d'Haïti, les engagés. 36 mois ou les engagés, les blancs mandats. C'est ça nous explique dans l'histoire d'Haïti. Donc son projet comme ça. Donc son projet macabre. Donc le pays a besoin des institutions. Donc il y a des rendez-vous avec la population, des rendez-vous démocratiques pour nous gagner. Il faut qu'on quitte les membres d'ailleurs, respecter les mandats. Maintenant, ceci étant dit, l'autre bagaille nous gagne, c'est un certain de projet, les projets de société. Nous avons un projet démocratique, un projet républicain. Quoique, dans le pays, dans les institutions, il faut fonctionner, car il y a toujours une alternance, il y a des formes pour le faire. Et puis, troisièmement, la violence. Ah oui, là, nous-mêmes, nous pensons que là, c'est très difficile. C'est que la démocratie, la politique, c'est un lieu de débat, c'est pas un lieu de combat. Et puis tout, le respect des libertés publiques. Donc, je ne vais pas m'empêcher parce que on a besoin, il a besoin de compte pour m'empêcher de vouloir le travail. Il faut me faire pression. Il faut me dire, oui, vous comme on dit déjà là, on ne peut pas notes dans les médias. Ça me dit les tracts pour me faire mon peur, pour voir la KO. Non, écoutez, la liberté. Et puis, deuxièmement, écoutez, le respect des citoyens comme sujet et acteur de son destin. Il a fait ça, mais il a respecté la loi. Moi, je crois que là, c'est des bails fondamentaux. Et puis tout, le projet économique. Parce que moi, je crois que coupé, il y a tout, l'État va faire tout le bagage. On a besoin des entreprises. Nous ne pouvons pas le problème, on attaque les entreprises privées, etc. Tout ça. Donc, on a besoin des entreprises, on a besoin des entrepreneurs. L'État là pour jouer un rôle d'habit, pour le recommander, quelqu'un permet de marcher très bien. Oui, moi, là, sous bouchon, oui mais le problème, parce que là, il y a un problème sérieux. Premièrement, on est même moi fidèle. Je ne peux pas poser de questions, je ne peux pas répondre. Si je demande de mon hôpital qui fait, parce qu'il dit qu'il y a des hôpitaux qui construisent. Je ne sais pas, comme médecin, et pas grand monde. Non, pas grand monde. Mettre en défi. Il y a un monde qui vous dit mon hôpital qui construit. Ah bon? Non, mettre en défi. Doré, bon, c'est pas mon hôpital. Ou pas reconnaître l'hôpital Bonaïf qui est fait, c'est ce président Matéli qui fait. Oui, Bonaïf. Ah oui, oui, mais bon, Finalement, il a perdu le nom. Finalement, il a perdu le nom. Un, où est le sous-président Matéli? C'est pas vrai. Son hôpital, c'est l'hôpital Bonaïf, là, que il a amélioré. Et c'est l'ambassade Canada, MT travaille là-dedans, qui fait. Et pas on travaille. Et bon, l'hôpital, on l'autre hôpital, non? Même l'hôpital et la Providence, et pas la Providence, et j'ai oublié le nom, mais l'hôpital général, l'hôpital des Gonaïves, que ils ont réhabilité. Et c'est l'ambassade du Canada qui finance, qui réhabilite. Et moi, bon, information qui est plus grave. Ils ont tellement mis des structures vraiment update, adéquat, pareil, sérieux là. En 2011, ils fait. Non, non. En 91, ils fait. Ça. Non, ça. Ma parole, non, c'est pas l'hôpital qui fait. Non, mais non. Je peux continuer. C'est pas l'hôpital qui fait. C'est la réhabilitation de l'hôpital des Gonaïves. Mais c'est pas ça qui est important. Ok, c'est pas ça qui est important. Nous allons aller à son deuxième aspect. Doré parle de violence. Le président nommé inculpé, nommé en tête l'État, côté UCREF, dit que le président est impliqué dans le blanchiment. Le on peuple a vivre dans la condition de vivre là, Doré. Ou elle, ou la saline Doré, ou elle tout partout, bon, on ne parle pas là-haut. Mais autant de parler de la saline, de Cité Soleil, de tous côtés.
L'autre 62% de jeunes dans le pays qui vivent dans ces conditions. Il y a le Chili, par contre, ça peut faire tourner. Ils ne savent à quel sens se vouer. Ce n'est pas de la violence. L'autre 24 décembre qui sont passés comme ça. Quand on a un classement à qui a mangé dans Fatra, qui levait chaque matin, qui a acheté un pâté, à midi, il allait aller qu'il mangeait un spaghetti ou bien manger dans la rue, qui a mangé comme ça. Est-ce que ce n'est pas violence qui a fait? L'autre un pays, côté tout. Non, je vous écoute. Ok, d'accord. Ouais, on t'a parlé. Je vous écoute. Jusqu'à présent, je vais vous quitter le bal. Vous parlez de classe moyenne. Il faut reconnaître de 90, même 90, même 86, à, pendant les 25 dernières années, politique publique de l'ancien gouvernement, c'est pas pour favoriser la classe moyenne. La différence qu'il y a entre vision politique, moi je pense que la classe moyenne, ce n'est pas par l'administration. Moi je pense que la classe moyenne, par les entreprises, pour les gens qui ont créé un emploi. C'est pourquoi qu'on dit dans le discours, pour pas. Même nous avons fait manifestation, je ne parle pas de vous avez fini. Votre famille, vous avez fini. Non, non, pas fini. Non, c'était une question. Mais je vais continuer. Mais une question. Non, mais une question. Posez une question déjà. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui t'ai parlé. Je dis que ma sagesse demandait que je m'entendais. Oui. Allez-y. Écoutez, ils ont paupérisé la classe moyenne. Et ouais, ça a fait, tout ça a fait, c'est à tes plates. Il y a un crédit à tes plates, 50 000 gouttes qui n'est pas capotant. Je ne t'ai même demandé doré. Et pas demandé, mais demandé n'importe qui monde. Qui ça qui fait pour les jeunes qui ont quitté le pays pour ne pas quitter le pays encore? Qui ça qui fait pour les jeunes qui ont allé au Chili et qui ont retourné là? Rien. Qui ça qui fait en termes de formation universitaire, professionnelle? Rien. Qui l'école professionnelle? Qui université qui fait? Rien. Qui crédit qui fait pour les jeunes, pour encadrer les jeunes? Rien. Doré, mon ami, mon frère. Un, là, ça n'a pas 2-3 bon, avant Jovenel, même pas dans ma télé même. L'homme qui a touché 15 000 gouttes, il était presque bail 385 dollars américains. Quand on prend 1 dollar, on prend 175 dollars, on monde qui a touché 15 000 gouttes. Ils ont infirmière, ils ont professeur l'école. Nous, tu prends dollar en 2001-2002, dollar était à 25 gouttes. Sous-préval, il quittait la 40 gouttes pour 1 dollar. Même Matéli, quittait la 63 gouttes. Il presque le dollar frôle 80 gouttes pour 1 dollar. C'est mauvaise gouvernance, non? Mauvaise gestion paysan. Mais qui ça n'a pas expliqué, là? Nous, pour pays, nous traînons pays dans la boue totalement. Or, c'est nous qui avons plus, ou qui avons plus l'argent dans le monde. Petro-Caribé, CIRH, rien n'est pas réalisé. Où sont les grands projets de développement économique? Qui investissement qui fait, qui inspire une confiance, qui peut me dire que dans 5 ans, dans 10 ans, mes côtés me aller. Voilà Tibonite, où investit son volume l'argent dans la caravane, peuple à Tibonite, là, regardez dans quelle situation là vive. J'étais à Brocozel la fois dernière, je revenais de Gonaïve. Mon Brocozel dit, depuis que la caravane est venue, si on qu'on fait 10 tonnes de riz, on fait 5 tonnes qu'on y a. Président nommé inculpé, qui a parlé de augmenter et bail. Production nationale, lui-même l'autre jour, pour encore, il parlait combien. C'est pas vrai ce que je dis. Le président n'est pas inculpé. Écoutez, Bamdou. Ah non, non, réponds. Non, me fais mentir. Il n'est pas un inculpé. Pourquoi il est inculpé? Pour blanchiment d'argent. Il n'a pas été au cabinet de. Doré, vous êtes un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Parce que moi-même, je suis un. Non, mais si on est capable de faire droit, je ne pas dire que je ne pas connaître. Ce n'est pas deux qui sont capables de faire la volée. Ça vaut qu'on ne pas la volée. Ah non, quatrième, on a pas de niveau ça. C'est l'avocat qui vous parle. Il est un inculpé. Son dossier est au cabinet d'instruction. Écoutez. Pour blanchiment d'argent. Et m'balbon information. Quand on parle de blanchiment d'argent, c'est une infraction parasite corollaire du trafic de la drogue. Ok, monsieur. Oui, allez-y. Docteur Ludo. Oui. Pouvoir, opposition. Oui. Nous sommes définis, nous sommes étalés tout ça qui divise nous. Qui ça qui unit nous en tant qu'Haïtiens? Voilà, très belle question. Premièrement, c'est une certaine prise de conscience qui doit guider nous pour nous dire que là où l'on va, la direction empruntée a mené nous tout droit vers le chaos, vers la violence, vers l'explosion sociale. Et nous ne voulons pas de ce chaos. Et malheureusement, j'ai entendu Doré qui eut à dire tout à l'heure qu'il parle de violence. Doré, c'est ça que je voulais éviter. C'est la raison pour laquelle je me dis, faut que Jovenel aille. Parce que Jovenel symbolise la violence. Jovenel, son nègre qui parle. Voilà, parce qu'il ne peut pas mener le pays à aucun côté. Et l'on ne peut pas mener le pays à aucun côté. Il y a une misère qu'on s'adore.
Et monsieur, chaque fois me dit, il y a même des nègres qui disent que qu'on a dit, l'aime pas laisser violence, ça me dit que me dit ça, c'est pas vrai. Lorsque j'interpelle le secteur privé de mon pays pour me dire que m'remel, on pas les business écrasé, mais il y a un bagage pour le connaître. S'il quitte disparité ça, inégalité sociale ça yo, après aller aussi large comme ça, a agrandi ce fossé entre monde pauvre et monde riche. Ce fossé qui fait que c'est 5% monde qui a 95% richesse dans pays n'a pas abouti à explosion sociale. C'est ça non m'a fonti conclu me dit pour moi. Si nous pas entendre sous ça et nous pas qu'à entendre ni avec programme qu'on gagne, où est le programme? Dorem pral dou ça comme professeur à l'université. Je termine, dans mon réponse sous ça. Non, écoutez, je vais vous répondre. Non, répondez pas ça. Minoterie, tous les fléaux et de l'économie nationale en fait, industrie publique qui t'a gagné, entreprise publique. Non, c'est votre régime. Parfait. L'autre pouvoir qui sortait du peuple là. Ou te dit qu'on peut le restaurer, ou pas le mettre l'argent dans la poche, ou pas le manger. Non, écoutez, c'est devoir sous la que nous avons politique qui n'est pas de bon. Côté ce qui sont fait, au contraire, ou en pire, ou vient enrichir moun, c'est pour ça moun qui a plus l'argent, et ou appauvrir moun qui est pauvre. Bon, c'est ça qu'on fait. Bon, mais de nous, des bagages qui étaient capables d'unir nous en tant que Haïtiens. Puisque, au sous-pouvoir, ou t'es sous-pouvoir, population a regardé nous là comme des moun qui a géré, qui t'a géré, et résultat, il n'y a pas d'autre bagage que ça lié là. Et bien content d'aller en ce dit là, ni ou même, ni nous n'avons pas qu'à battre l'estomac li, pour nous dire la situation nous trouvons aujourd'hui, c'est responsabilité du président simplement, c'est responsabilité du régime. C'est tout aussi responsabilité de la valeur qui était gérée pays pendant un bon petit temps. Et même si à un degré moindre. Responsabilité aussi. Même si à un degré moindre. C'est aussi la responsabilité de Tête Carlée qui était en première version avec Matéli, puisque même depuis que Matéli a monté à dit ça, nous avons joué 5 ans. 5 ans à la vie nous. Et nous avons joué encore 5 ans à la vie nous. Et nous avons joué en vingtaine d'années avec la valance. Et nous avons résultat par l'autre bagaille. Ça qui empêche nous, même j'ai pris le Dominique Enfeld, opposition avec pouvoir, nous mettons d'accord, nous dit, au-delà de lutte pour la prise du pouvoir, on mettons d'accord sur des bagailles qui ne peuvent pas changer. Par exemple, on pacte pour l'éducation, on pacte pour la santé. Des bagailles qui ne viennent pas pouvoir la bon parce que c'est pour la population, qui ou toujours ce pouvoir là bon puisque c'est encore pour la population. Ça qui empêche pouvoir avec opposition joindre des pactes sur des bagages clés qui caractérisent même l'existence des populations. Non, ils ont un empêchement qui est clair. Ils n'y croient pas. Gardez le budget ou présenté. Ou pour être tout, ça remettait pour l'éducation, ça remettait pour santé. Gardez l'hôpital, centre de santé, il n'y a pas fait cadeau. Gardez comment l'hôpital général a fonctionné. Gardez $50 que vous prenez pour faire FNE. À qui ça le servit? Il a dilapidé, il n'y a pas vu rien. C'est-à-dire, comment on peut le mettre en pacte avec des gens qui n'y croient pas? Moi, je vais vous dire on franchement. Non, c'est pas. Ça, écoutez, Doré ou elle pas quoi? Parce que si Doré était quoi? La question que vous aviez posée tout à l'heure à Doré, Doré t'a répondu. L'autre dit Doré, ben, trois réalisations. Il a dit 10 l'hôpital, 3 universités, 3 écoutez. Il ne peut pas le dire. C'est-à-dire, il n'y croit pas. Il connaît que c'est pas vrai. Mais je vais vous dire une chose. Mais moi, j'y crois fermement. Non, mais ni vous connaissez, ni moi, ni vous ne connaissez pas vrai, nous pas vrai. Mais moi, je dois dire que, al garder toute l'école, al garder l'hôpital Delma 33, al garder l'hôpital Delma 33, al garder les réalisations que nous avions faites. Oui. Donc, non, répondre à une question. Non, ça qui empêche de mettre d'accord sur des pactes. Ah, mais il y a des efforts faits, Bamdou. Le président de l'Élysée, le premier Barda, et c'était un engagement de prendre. Pendant la campagne, il a parlé de vous faire un état généraux sectoriel de la nation, malgré des invitations qui ont été lancées par l'équipe des états généraux. Et moi, je crois qu'il y a un groupe qui dit le pape Bini. Donc, nous ne sommes pas croyants dans le dialogue. Nous croyons dans d'autres moyens, d'autres formes non démocratiques. Et il n'y a pas quoi dans la démocratie, comme un espace de dialogue, côté pour discuter avec le monde, pour aller de l'avant. Maintenant, le président, tout le monde est à Genève, il lance l'autre bail encore. Donc, il y a toujours cette volonté pour mettre les Haïtiens ensemble, pour chita. Vous voyez, il finit ça, comme d'accord, l'éducation. Même le docteur Ludo, là, des matins, ou bien, ouvre au pouvoir, retourne au pouvoir encore. Mais il faut nous former des Haïtiens. Nous pas qu'à chaque gouvernement qui vient, pour nous changer le programme, etc. Il faut nous mettre d'accord sur ça. Y compris le développement économique du pays. Si c'est l'agriculture, nous avons accès priorité, même si nous pensons que le pays a une vocation agricole, nous avons gardé plein, etc. Et bien là, nous mettons d'accord sur ça. Et c'est tout ça. D'ailleurs, le président dit, il ne peut pas avoir un dialogue politique sans un dialogue économique et un dialogue social. Il faut qu'il y ait les trois. Parce que le problème, il y a une fin de matin. Docteur Ludo, il ne doit pas
dans le domaine d'entreprise. Mais si vous avez assez fi, pour me répondre à l'expression que le président Jovenel utilisait hier, qui a besoin de crédit. Mais il faut que deux, trois nègres dans votre presse qui ne prennent pas crédit, il faut qu'il y ait accès avec. Mais il faut qu'on fasse un dialogue économique à tout. Dialogue politique à tout. Différence là, moi toujours dis ça et ma préprenne. Le problème d'Haïti est un problème économique. Oui, non, non. Et le problème social, la réponse est économique, la gestion est politique. Moi-même, je suis là, c'est gestion, c'est pour nous gérer les politiques. Mais le problème fondamental du pays, le problème social, il y a un paquet de monde qui va à l'école, de monde qui va à manger, etc. Mais pour nous gérer ça, c'est une réponse économique. Mais si vous n'avez pas d'accord, par exemple, vous lancez un message là. Je ne suis pas parti, docteur lui doit dire d'accord pour le final. Mais où est-ce que l'autre position? Mais pour ça, pour pouvoir pas commencer par nos vérités. Sur quoi? Sur la réalité du pays. Bah, bon, regardez ça ensemble avec vous. Dernier jour, ça a eu là, depuis le commencement et Ania, nous avons fait face avec une pénurie de carburant. Oui. Pour ça, nous avons une vérité, ça, la cause ça. Non, mais. Directeur général BM Badla, Living sur Radio Magique 9, comprendre tout, réalité que nous, ouais. Même dit ça, gaz nous a le faire. Tout à l'heure, même. C'est seul nous-mêmes qui, ouais, pas de gaz. Nous, ouais, qui gaz. Tout à l'heure. Nous avons une vérité sur la réalité économique du pays. On dit, pour le président, on se compte. On se compte. Et pour le président du pays, mais réalité, là. Bonne vérité sous chiffre, bonne vérité sous côté de l'aller. Ce n'est pas et puis le promesse, c'est venir faire promesse. Non, mais bonne chiffre. Dis-nous, mais dis population, mais voilà où on en est avec ces signes. Moi, j'ai plusieurs articles et nouvelles, et notamment plusieurs éditoriales qui sont faites, soit par Robinson ou bien par le rédacteur en chef Duval sur question économique pays. Et moi, c'est pas valable. Puis là-dedans, il y a juste. Nous, on est sous gaz là. Donc on est pris gaz, c'est pas le prix réel. Faut pas faire nos illusions. Au régime, moi pris litre là, ben c'est pas litre. Litre là vend bien cher par rapport à si nous gardons en Haïti. Donc moi-même, prix pas prix réel, tout le monde d'accord sur ça. Le gouvernement dit qu'il faut ajuster prix. Donc nous d'accord pour nous arriver à côté pour nous acheter. Est-ce que nous besoin gratuitement tout le temps? Ou on les combat tout là, le bas 20 millions de dollars pour Bali, etc. Gaz, l'État ici pas fait gaz. Faut que nous devons être réalistes. Qu'est-ce que l'opposition, qu'est-ce que pas de l'opposition, ça, sont donné courant lié, faut nous d'accord sur ça. L'État, il ne sait pas faire gaz. Donc, on a eu des ratements. Moi, je pense que toujours eu des ratements. Moi, je me réponds parce que nous ne pas acheter plus gaz à pour prix. Parce que si acheter, acheter, l'État, si acheter, l'acheter, il ne va pas faire. Déjà, l'État a un paquet de gagner, il fait ce gaz déjà. Même si pour prix, pour l'acheter, l'animal, il ne va pas même revendre. Il n'a pas acheté, on ne peut pas mettre nos importer. Faut que nous d'accord sur ça. Et moi, je suis bien content, ou bien opposition, ou bien. Possibilité, je dis, pour expliquer ça. Il faut que nous responsables. Et pas seulement ce dossier, ça, c'est plus de bagailles. Et moi, d'accord, avec un effort qu'a fait pour limiter les dépenses de l'administration. Et contrairement à ça, Ludo dit là, moi, je reconnais que l'administration n'a pas fonctionné avec grand moyen. L'État n'a pas gagné toutes les ressources nécessaires pour faire tout ça. Et les mecs, efforts qu'a fait, il faut que nous apprécions. Et moi, quoi, depuis quelques temps, pas gagner aide internationale dans le pays. Tout effort qu'a fait, c'est avec les mêmes ressources que l'État. Nous avons un effort qu'a fait tout pour limiter la contrebande au niveau de la frontière. Nous avons un effort qu'a fait avec la Direction générale des impôts pour que les gens qui doivent l'État pour payer. Mais nous reconnaissons tout, ça n'est pas suffisant. Il faut gagner la peine dans le pays pour investissement qui fait dans le pays. Les investissements créent un emploi à les gens. Le fait que vous avez des problèmes sociaux, problème social, problème social. Mais si chaque jour, vous avez des gens dans la rue, vous avez brisé, etc., vous pensez que les gens qui viennent investir dans le pays? Maintenant, donc, les gens qui ont dit que c'est une misère, là, on a travaillé pour plus de misère, puisque nous n'avons pas de stabilité dans le pays. Maintenant, docteur Ludo, ça qui empêchait nous-mêmes au niveau de l'opposition, hein, ou faire exercice ça, dans fait là, je dis là, avec pouvoir. Opposition est venue, Yoshita a parlé avec et pouvoir, nous dialoguer. Même si toujours qu'il y a des positions, il faut que Jovenel Moïse aille, et Jovenel Moïse toujours qu'il y a des positions, il faut le rester, etc. Mais au moins, nous entendons un dialogue. Et peut-être, qui sait, pendant le dialogue là, capable de faire des bagages ou capable de faire des bagages, de même dans l'opposition, capable de faire des bagages pour faire des bagages pour faire des et nous arriver à faire des bagages pour nous avancer. Parce que là, on a perdu du temps. Mentez-nous ça, première population, ouais, deuxième population, ouais, les sentiers que nous perdu du temps. Monsieur Giffoy, dialogue sur quoi? Où sont dit à l'heure? Ou go pouvoir, même lui-même, il se ment à lui-même, M-E-N-T, la baille tête, il mentit. Même lui, il n'a pas rien que l'expliquer nous dans la société pour dire nous, voilà le véritable problème. Les journalistes chevronnés du pays, tous les journalistes s'accordent à reconnaître qu'il y a un problème au niveau du carburant. Ou go DGBM Bad, qui vient qu'à bon l'autre bagaille. Moi, dit, et tout l'autre monde dit, des sénateurs expliquer que le problème n'a sorti. Parce que Gonfim y aurait les Novum qui accaparent de questions importation gaz. Et c'est là le problème dans sorti, le gouvernement dément. C'est-à-dire, le gouvernement, est-ce que le vini pour le dire, voilà l'état des finances.
Mais comment situation est? J'ai échoué piteusement dans cette affaire de caravane. J'ai menti à la nation. Faut monsieur Kage courage pour venir dire ça. J'ai massacré les gens à la saline. Et c'est pour la raison. Mais me dit toute vérité et qu'on y a comment cacher ça. Mais pas massacré aussi, pas dit massacré mon. Ah mais écoutez, c'est un massacre d'État qui a été non, fait à la saline. Et d'ailleurs, non, écoutez, le dossier est au cabinet d'instruction. Moi, son équipe qui compte ça m'a parlé. C'est un massacre orchestré par Pierrot Duplan sous le compte du gouvernement. Et Jovenel Moïse. Il n'y a pas à sortir de là. Tout le monde qui était Moïse là-bas, c'est Aristide qui était tout. Écoutez, il y a une différence. Très belle question. Très belle question. Je suis heureux. Mais si je dis, mon frère, bam 10 monde qui était Moïse là, on ne sait pas le dire. Il te dit Jean-Dominique. Il te dit Nego Kaela et le journaliste que je respecte. Brignol. Il te dit, à propos de je viens toujours, non? Yo te dit voilà moi sous dim bam 50 moun qui mouri là plop 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 m'la 50 moun ba ou là que Jovenel assassiné tué. Comprenez-vous? Ça veut dire voilà la différence. Voilà la différence. Et voilà la différence. Cependant, donc, ou pas qu'à brêter comme ça, des citoyens, si directeur de la police t'a dit dans le Parlement, yo t'a pas fait enquête, parce que je fois dit là, c'est un rapport de NDDH que vous citez. J'ai calé. Également. Ou à citer, m'a quoi que lui fondé, okay. Parce que le titre du rapport pas correspond à ça développé là-dedans. Nous sommes au niveau de la communication à des fins de nuisance. Donc, autre que ça. Et ce soir, son petit bas, M. Tepore, c'est moi qui t'a parlé. Non, mais pourquoi fini? Non, mais pourquoi fini? Non, pas de non, du tout pas. Oui, si. Donc, maintenant, on ne peut pas prendre ça. Maintenant, il y a des services compétents de l'État qui sont spécialisés dans faire l'enquête. Ou bien, c'est la direction centrale de la police judiciaire, des CPJ, ou bien le parquet de Port-au-Prince, ou bien d'autres services compétents de l'État. On attend les services compétents de l'État. Chiffre Abdiou là, pour est-ce que c'est vrai? Parce que jusqu'à présent, si je dois faire ça là depuis décembre, le rapport s'est sorti. Si c'était ça, ou t'es dit, était correspondant à la réalité des faits, je suis étonné que la direction générale de la police ou bien qui doute la répression, pas qu'elle vienne tout ça. Ça, c'est une. Deuxièmement, on ne peut pas prêter tout pour cibler un fonctionnaire de l'État parce que c'était un problème. Maintenant, on ne fait pas ça, on ne rend pas le service à le pays, on a fait ça, docteur. Ok, mais je peux répondre. Non, pas mon petit motion de bord. On déballe tout. C'est pas de bord. Non, c'est motion de bord. Voilà, attendez. Premièrement, je vais vous dire qui est clair. Il ne faut pas faire ça. C'est toi, intellectuel, qui parlais là, un journaliste chevronné de renom et deux intellectuels. Le paquet, juste au moment où je vous parle, n'est pas saisi de ce dossier, le dossier de la saline. Et c'est une aberration. C'est gravissime. C'est archi grave. Même quand c'est la rumeur qui t'a dit meilleur assassin au monde, le paquet aurait dû être saisi d'office. Ce qu'il n'avait pas fait, ce qu'il n'a pas fait, juste au moment où je vous parle. Ça veut dire. Depuis le 13 décembre, assassinat a fait, jusqu'au thème pas la voilà. Pas gagné aucune instance d'un gouvernement qui prononçait le sous ça. Pour que ça, on a l'impression que le président n'a pas manifesté aucun intérêt pour ça passer la saline dans le Zadoué. Moi, je crois que il y a des services de l'État. Tout à l'heure. Il y a des services de l'État compétents. Parce que le problème qui vient, si on fait. Il y a un groupe qui bat pour le politiser. Si ça ne dit pas, c'est vrai. Mais il y a des services compétents d'État. Moi-même, j'ai dit ça dans l'émission avec Pierre Expérience qui a présenté le rapport. Là, moi, j'ai dit, Pierre, ton rapport, c'est ton rapport. C'est vrai, moi, je félicite les travaux réalisés par les organisés des droits humains, parce que c'est un travail important. Mais il ne faut pas nos rapports, déjà, pour orienter. Et puis le titre ne correspond pas à ce qui est développé. Maintenant, disons, son massacre d'État, c'est comme quoi que, bon, volonté, dans l'État, non, c'est pas ça. Monsieur, ensuite, nous devons restituer la vérité, enfin tout pour analyser fait par des organismes compétents et indépendants pour voir si c'est vrai. Expliquez-moi ça. Qui doit saisir les services d'État? Ce sont les citoyens ou bien l'État lui-même qui doit se saisir. Quelqu'un saisit automatiquement. Voilà. C'est là-bas pas le venir. Non, du tout. Même dans le procès, dans le cabinet d'instruction, on déposait plainte l'autre jour pour Mounio. Non, il n'est pas saisi. Professeur Doré, docteur Ludo, nous allons finir. Non, nous pouvons parler d'élection. Vous devez. Oui, femme de bagaille. Au moins, allez-y sur l'élection. Parce que mon grand. Premièrement, nous avons fait l'élection, nous avons fait que son échappatoire
que Jovenel a cherché. Mais parce que... pas dans l'élection avec Jovenel. Tout le monde qui parlait de l'élection, ou bien deux bagailles. C'est ou bien, ou même son monde qui a dû chercher un centre psychiatrique pour mettre ou, parce que t'es tout pas bon, ou pas réaliser ça qui a passé là, ou bien, ou même son nègre qui a une incapacité totale pour faire analyse politique qui est claire. Et en un clin d'œil, bonjour bagaille. Comment on va faire l'élection, à parler d'un CEP Léopold Bélanger? Laissez-moi vous dire. Léopold Bélanger fait l'élection, il prend 55 millions de dollars. Jusqu'à présent, il n'a jamais bail rapport sur 55 millions de dollars. Il y a une association de malfaiteurs dans ce pays, composée de Léopold Bélanger, de Ronnie Desroches, d'André Apède, et qui colonisait cette association de malfaiteurs. Ils ont colonisé l'appareil électoral là, parce que, pas oublier, Léopold Bélanger, il louait un caille pour CEPA à Peggyville, à hauteur de 6 000 dollars américains, un contrat de 10 ans pour CEPA. Troisièmement, c'est Madame qui baille CEPA à manger. Quatrièmement, Marie-France qui sortit et dans son sofa qui dans CEPA, c'est Madame, c'est Maril qui a contrat fait éducation civique dans CEPA à hauteur de 2,5 millions de dollars. CEPA, ça, il n'a pas aucune crédibilité pour la parler. Je veux dire, à mon cap parler, président, inculpé, nommé cap parler de l'élection, peuple a pas dans l'élection. Peuple a non seul bagaille, départ Jovenel Moïse, changement système ça. Il y a un gouvernement de transition, conférence nationale pour nous mettre sous pied institution. Peuple, vous dites ça? Me dit le nom peuple là. Et je vous demande, non, mon frère, mon ami, je vous exhorte, comme vous me connaissez qui est Gouye, et me connaissez Magic 9, me connaissez Chaîne 20, mais non enquête pour un peuple là s'il n'a pas fait élection. Peuple là n'a misé, il a grand goût, il veut changer conditions. Justement pour peuple là. On va parler pour peuple, ou t'as oué mes peuples, on va parler pour peuple, tout le monde aime peuple. Allez-y rapidement, on va poser dernière question. Donc, on est à son année de rendez-vous électoral. Il faut renouveler le personnel politique. Parce que ce n'est pas d'autre moyen que pour renouveler le personnel politique, c'est pas les élections. Donc, il va y avoir les élections au cours de l'année 2019, octobre, comme constitution prévoit ça, pour élections locales et élections pour, complètement pour la Chambre des députés et pour un tiers, quoi. Ouais, un sénateur. Oui, oui. Donc, pour renouveler. C'est fondamental parce qu'il ne va pas gagner. Économie qui a fait des. Troisièmement, il y a une année pour l'amendement. Donc, il y a des échéances. Amendement de la Constitution, il y a des propositions qui sont sur table déjà. Et de même, quoi, au niveau de la Chambre des députés, il y a un travail qui est fait. Exécution a fait des propositions. Tout à l'heure, je vais sous. Et comme je vais parler avec le sénateur Kitler Augustin, c'est lui qui est le président de la commission d'amendement pour le Sénat de la République. Au niveau de l'exécutif, le président m'a dit pour me travailler, je vais commencer à faire ça, je vais venir là, pour voir comment que, au niveau de l'exécutif, pour nous voir comment que, qui article qui méritait pour amender, qui article qui méritait consolider, etc. Donc, on va gagner des rencontres. Parallèlement avec le travail député Jerita du commission, là, nous allons faire des propositions. Ah oui, l'exécutif, c'est mon président m'a dit pour faire coordination pour les sous-dossiers. On parle avec le député, hein? Non, je ne compte pas avec Jerita. Non, mais on ne compte pas avec, mais pas sous. Non, c'est un fait bon moment. Un fait bonne mission. Oui, mais je ne parle pas avec. Il n'y avait pas seulement des Utah, y compris mon ami Ludo. Qui va faire un tête à gagner. Donc, ensuite, nous n'avons pas de mécanisme. Une fois que vous venez ça, puis la Chambre des députés gagne une proposition par le site, valider le rapport du président. Commission Chambre des députés sous amendement directeur il validé par l'Assemblée de la Chambre des députés, le Sénat pareil et l'exécutif lui-même quand on a coordonné travail là pour le président pour l'exécutif de l'université, il va avoir un dialogue institutionnel entre les trois catégories, okay. Le président de la République et le président des chambres des députés et du Sénat autour du mois de d'avril, si vous comprenez très bien, il vient pas le dialogue. Nous vient en juin septembre pour faire. Non, comprendre ma bon mécanisme ça, peut-être que c'est en dernier vous vient parler sur ça et pas le réunion entre le président de la République et le président de la Chambre des députés et le président du Sénat pour venir faire un dialogue institutionnel pour les différentes versions pour jouer nos documents. Maintenant, on finit d'accord sur ça et probablement, proposition ça, pour aller soumettre à la population dans la radio pour faire des bassoulis et pour arriver pour nous ver est-ce qu'il y a lieu d'amender. Donc, je pense qu'il y a des échéances énormes, il y a les élections, il y a l'amendement et il y a le dialogue. Je suis d'accord, on va pas parler de l'amendement de constitution, déjà qu'on ne va pas le dire, ou pas la donne. Soit l'assemblée constituante, ou sur notre constitution, ou au clair, tout comme on a fait élection, ça pas la donne. Tout comme on a fait dialogue, nous qui sommes des républicains. Non, si pour dire, nous pas qu'à exclure dialogue, mais il y a des prémices, par exemple, pour dialoguer. Un, Jovenel Moïse, avant de parler de dialogue, il faut venir avec une serviette blanche, une cuvette, laver mel qui maculé de sang, moun la saline, sans y tuer tout moun la saline, le fil laver toute mel, toute figure, qui plein sang de la saline, laisse la parler. Deuxièmement,
condition sine qua non pour dialogue, le départ de Jovenel. Claire, Jovenel allait, une fois la lettre de démission de Jovenel posée sous table là, ah, je peux vous assurer, on va parler, on va dialoguer avec toutes les franges de la société. Donc, mais non, tu vois, ça va. La contradiction dans son argumentaire. Il ne veut pas dialoguer. Donc lui-même, il veut, on se bagarre tout. Mais quand on parle de conférence nationale, c'est quoi le dialogue? Deuxièmement, vous parlez de état généraux. Il y a fait état généraux. Chaque monde dans état généraux a fait 250 000 gouttes à la machine. Depuis des temps. 250 000 gouttes par mois. Chaque monde est dans l'état généraux. Je vous donne une information. Ah non, eh ben. Non, mais le problème, je sais avec qui je parle. Enquêter sur ça. Non, un second. L'état généraux, bon, moi, j'ai une information qui est au débat. Il y a deux niveaux là-dedans. Gagner conseil là, et puis gagner technique. Oui. C'est ça qui a fait administration pour vous. Vous-même, c'est ça qui a fait administration. Il y a un ensemble de membres qui gagnent, ils ont frais. Mais il y a dit dans le conseil là, il a dit à journal nouveliste qu'il n'y a pas pris aucun frais. Ok. Cependant, il y a capable des moyens pour fonctionner et il met un local pour eux, si vous avez des placements, etc. Ça, il n'y a pas regardé vos difficultés. Chaque monde a 250 000 gouttes dans le même mois. Et machine, et gaz. Non, deuxièmement, mais c'est pas là que vous voulez venir. Voilà, c'est pas ça qui est important. Lui pour me demander si vous voulez. Voilà, c'est pas même ça qui est important. Non, mais on ne sait pas d'ailleurs qui t'aime éclaircir. Rapidement, passez le lui. Oui, rapidement. Est-ce qu'on peut parler? Ou on peut voir tellement pas contre ça l'a fait. Il y a état généraux. Pour sortir de crise, il lance le dialogue. Pendant la parler de dialogue, la voie est pour en bas pied, moun qui a fait dialogue. La voie est ceci, la voie est cela. C'est un pouvoir qui ne connaît pas ce qu'il fait. Ce pouvoir qui a perdu le Nord, il s'y perd, il n'a pas qu'à mener pays. Okay. La solution passe par le départ inéluctablement de Jovenel Moïse. N'abdil d'aller. Je viens vite là pour venir dire ça seulement. Moi, je chaque jour, déjà. Je le redis, je. 10 fois, 20 fois sur le métier, répéter, refaire. Il faut refaire l'ouvrage. 10 fois, 20 fois. En 2022. Et le ça, ici, a mangé. Donc, l'année prochaine, année ça, c'est année électorale. Jovenel Moïse. Ça, c'est un gros barco, vous gagnez les choses. Et vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on va le courir, oui. Pour qui ça va le courir? Peuple va le courir, d'ailleurs, on a une deux mois là. Non, on va le courir. Non, on va le courir. Et pas pour faire. On va le courir. Non, on va le courir. Doré Massou, on va tout soit parler de amendement de ceci. Ok, d'accord. Mais ça, c'est le rien à pleurer tête nous. Soulèvement pour le faire. La rue, bon, ma panonceau. Manifestation pour le commencer. Peuple va le prendre la rue. Jovenel Moïse pour aller. Donc, okay. Ouais, jusqu'à présent, il n'y a pas un discours responsable. Ah donc, bon? C'est pas, alors, le discours qui aurait pu être responsable, c'est dire que Jovenel Moïse, oui. Continue maintenant pour prendre l'argent des Malog. Continuez à prendre le déficit budgétaire aggravé. Non, je vous donne des informations. On continue à dire ça. Professeur, il n'y a pas de Malog. Merci. Ok. Nous finis. Bon. Mais, en 30 secondes, à nos chaque là, je vais répondre à une question. Où est mes pouvoirs? Où est mes peuples? Vous avez parlé de ça tout à l'heure là, ou mes pays, ou mes peuples, vous avez fait des bagages pour le peuple. Vous avez dit ça là, tout ça, vous avez dit là, c'est le peuple. D'ailleurs, tout le peuple a mis sous nous, fait des déclarations, tout le peuple a dit. Oui, oui. Parce que vous avez dit, monsieur, vous avez dit, monsieur, nous tous les deux, avec mes peuples. D'abord, pour se nourrir, dans la crise nous est là, qui sacrifice le président prêt pour le faire pour nous sortir dans la situation ça? Ce sera la même question pour vous-même tout. J'attends. Le sacrifice, c'est le président, c'est assumer ses responsabilités. C'est plus que le sacrifice qu'il fait déjà. Le fait que chaque jour... sacrifice à son mandat qu'il gagne pour l'assumer. Non, mais le mandat, exercer un mandat présidentiel en Haïti, c'est déjà... Ou bah, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Eh bien, ok, d'accord. C'est mon sacrifice. Oui, bah, bon, nous, nos crises politiques, côté que nous, chaque lagon code de menon n'a pas tiré, il faut qu'il y ait en certain moment de la durée des sacrifices qui sont faits pour nous avancer. Sinon, nous, tout a perdu. Qui sacrifice, je reprends la question, qui sacrifice le président prêt pour le faire pour que le peuple soit capable de faire un petit bagage pour que nous avancions, pour que nous avancions des nouveaux. Écoutez, le gouvernement travaille déjà chaque jour pour améliorer. Sacrifice, c'est de l'autre côté, quitter la paix, mettre la paix dans le pays. Parce que le sacrifice, c'est qu'il faut permettre la paix dans le pays. Depuis, puisque 6 mois, l'équipe Dr. Ludoa, c'est des autres seulement à faire dans la rue. Il faut reconnaître ça. Le pays n'est pas capable d'avancer comme ça. Donc, ou pas besoin de jouer une fouille si chaque jour tu as des autres. Par exemple, le gouvernement, si pour le faire un bagage là, des matins, et puis des matins, un grand entrepreneur qui a visité le pays, ou venir des sites touristiques, et puis il vient tout à l'heure pour bloquer, etc. C'est pas comme ça qu'on a développé. Okay. Ouais, moi-même, je pense que la responsabilité, le gouvernement a assumé la responsabilité, déjà, c'est un sacrifice. Docteur Ludo, la même question.
avant de répondre au gouvernement, pas de sacrifice. Pas retourner dans ta deuxième. Non, je suis juste relater ça. Au contraire, c'est monsieur Mandem qui s'en a fait. Parce qu'il reconnaît que le bagagne le café. Qui sacrifie ce café? Premièrement, Mabdou, nous pensons, un, le binôme peuple-secteur privé, c'est un sacrifice que nous devons faire. Ça ne m'entend pas, binôme peuple-secteur privé. Il faut que nous renforçons le secteur privé pays. Il faut que nous permettions. Mais pour ça, là, chaque jour, vous empêchez. Il a peur de mes arguments. Non, mais non. Il a peur. Mes arguments lui font souffrir. Ou soulager. 400 millions de dollars. Vous voulez du paracétamol, hein? Oh, maintenant, je parle. Il faut nous renforcer. Pour douleur, il y a une douleur. Mes arguments lui font mal. Et il faut nous renforcer binôme peuple-secteur privé. Côté pour nous permettre que le secteur privé est en état 1 pour créer plus de travail, pour réduire le chômage. Il faut nous réduire l'inégalité qui gagne. Et le peuple, il faut le combattre. Incompétence. Non, non ça c'est un sacrifice énorme. Non, 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 non. Et qu'on y a pas le vini. Oui, non, oui, c'est pas le vini. Il va dire pour le secteur privé. Sorti là. Sorti là, c'est pas opposition. Quoi le faire? Renforcer le secteur privé. Non, là, je vous écoute. Non, là, c'est notre contexte actuel là. Dans le contexte c'est l'âme d'abord venir. C'est l'âme d'abord venir comme d'abord. Pas de sacrifice qui trop aucun citoyen pas qu'à faire pour payer ça. Et c'est ça que fait nous ouais. Sacrifice pour nous faire pour nous sortir sous payer pour payer, l'éclair. Faut nous diviser avec des monde qui des incompétents, des incapables, des monde qui mène pays en tout pour nous toutes nous cacher ensemble parmi lesquels Jovenel Moïse qui doit partir. Le Parlement qui n'est le prolongement de l'exécutif, qui pas doit exister, et le sacrifice ultime, nous asseoir ensemble, quitte avec PHTK, quitte avec la communauté internationale, la société civile, toute partie politique, yo, et faire sacrifice ça après le départ de Jovenel pour nous chita, pour nous relancer pays à travers merci. La conférence nationale. Merci beaucoup, monsieur et professeur. Tu vois, c'est le projet des 36 mois où les engager. Docteur Ludor, merci beaucoup. Parce que nous avons accepté de faire exercice ça. Et je pense qu'il faut nous faire notre casse-pied souvent pour nous permettre de pouvoir avec l'opposition discuter. Même si nous ne sommes pas souvent d'accord avec ça, nous avons dit avec l'autre. Mais merci parce que nous avons prêté nous à exercer ça, monsieur. Vous avez merci. 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 C'était un plaisir. Et nous toujours disponibles. Bon, voilà, c'est là mettre un bout de tout dans sortie là. Merci à monsieur Sao qui était fait sacrifice là ensemble avec nous. Régie a fait signe que les nous arrivent des bons bouts de temps. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission Haïti 48. Rete sous télévin à croiser on l'autre là pour on l'autre sortie Haïti 48. Professeur Douri, on le fait encore merci et beaucoup. Professeur Chilodido, merci beaucoup. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission. Bonsoir.